Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de cette édition. Vous les apercevrez désormais sur les grandes artères et routes. Des radars mobiles sont installés pour dissuader les automobilistes de rouler trop vite. Ces appareils dernière génération permettront de renforcer la sécurité routière et réduire l'hécatombe sur les routes. L'escale culturelle hebdomadaire de ce soir, nous la consacrons à l'une des figures les plus engagées du slam marocain, Fatil Mobset. Son nom, mais aussi son verbe, résonne sur la scène comme un cri de résilience face aux aléas de la vie. Fatil Mobset est ce soir l'invité du journal. Enfin, nous irons à Essaouira pour parler du grand retour du printemps musical des Alizés. L'ouverture de ce grand événement a transporté le public dans une expérience aussi intime qu'immersive dans la magie de la musique classique. Nous vous ferons revivre la soirée inaugurale. Bonsoir à tous, sécurité routière en ouverture de ce journal. Si vous prenez le volant, pensez à lever le pied de l'accélérateur. Des radars mobiles nouvelle génération vous auront désormais à l'œil. Ils sont disposés un peu partout sur les grandes artères. Ainsi, l'Agence nationale de la sécurité routière lutte contre les excès de la vitesse afin de réduire les accidents de la route. C'est un reportage de Kautar Aboutir Mohamed Twanina avec un commentaire de Zakaria Mokhin Billah. Sur la rocade numéro 1 de Rabat, cette voiture banalisée se gare au point de contrôle indiqué. À bord, un radar de contrôle mobile dernière génération pour détecter les excès à la vitesse réglementaire sur la route. Le système est mis en place par l'Agence nationale de la sécurité routière. Discret et rapide, ce dispositif offre l'avantage d'enregistrer les infractions sur n'importe quel point du réseau routier d'une façon précise et fiable. Après avoir placé la voiture au niveau du point de contrôle déterminé, nous effectuons des mesures préalables afin de mettre le système en fonction et de détecter les infractions routières d'une façon précise. Ces radars permettent de détecter les infractions sur deux sens opposés au niveau de six voies en même temps. Ce procédé permet de contourner la difficulté d'installation des radars fixes dans les zones rurales due à l'absence de réseau électrique sur certains trajets. Avec ce procédé, le contrôle de la vitesse peut être effectué n'importe où. Chaque région sera équipée par l'agence NARSA d'un radar mobile, deux pour les régions avec une plus grande densité de population. Objectif de ces nouvelles mesures, renforcer la sécurité sur les routes. Le contrôle de la vitesse est une bonne chose pour les citoyens. Il incite les automobilistes à adopter une conduite responsable et contribue ainsi à la sécurité routière. C'est le plus important. Cette initiative ne peut qu'être bénéfique pour responsabiliser les conducteurs en les poussant à redoubler de vigilance sur la route. Plus que quelques jours nous séparent du démarrage effectif de ce nouveau système de contrôle de la vitesse dans les milieux urbains et ruraux. Un moyen efficace qui s'ajoutera à l'arsenal de contrôle en vigueur. Plus de 600 radars fixes et 700 portables sont déjà opérationnels sur l'ensemble du royaume. Un mot de sport. Dans un peu plus d'une heure, la sélection nationale de futsal affrontera son homologue libyenne en demi-finale de la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Les Lions de l'Atlas ont l'ambition de décrocher leur billet pour la Coupe du Monde 2024 en Ouzbékistan et s'approcher ainsi du troisième sacre continental consécutif. Rappelons que l'équipe nationale a fait un carton plein lors de la phase de poule en terminant en tête du groupe A avec 9 points. De son côté, l'équipe libyenne s'est qualifiée en demi-finale en se classant deuxième du groupe B derrière l'Égypte avec 6 points. Ouvrant notre page monde, en Iran, des explosions ont été entendues près d'une base militaire dans la région d'Ispahan, dans le centre du pays. Mais les autorités iraniennes ont minimisé l'impact des explosions tout en indiquant qu'il n'y avait aucune information faisant état d'une attaque de l'étranger. Dans des réactions encore prudentes, plusieurs pays et organisations internationales ont appelé à la retenue. Les États-Unis ont mis fin hier au rêve d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU en pleine guerre à Gaza, brandissant sans surprise leur veto au Conseil de sécurité. L'autorité palestinienne n'a pas manqué de fustiger le veto américain et d'y voir une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bout du gouffre.
Allons en Espagne, plus précisément dans un hôpital de Barcelone qui utilise des chiens thérapeutiques pour accompagner les patients admis en unité de soins intensifs. Selon l'équipe médicale de la structure hospitalière, ce type d'intervention peut améliorer de manière significative l'état de santé du patient et rendre le séjour du malade un peu plus agréable. Et les de ceux et celles qui ont choisi le verbe rythmer et les mots qui claquent pour extérioriser toutes ces émotions. C'est ainsi qu'il est entré par la grande porte dans l'univers du slam avec un grand S. Oui, parce que Fatine Moubsit est une des figures du slam les plus engagées. En permanence, et l'œuvre a créé du lien social par cet art oratoire, notamment par l'organisation du championnat national du slam poésie au Maroc. Une manière de démocratiser ce mode d'expression à la fois éducatif et inventif. Dominique Orlando et Asma Atiazi. À brosser le portrait d'une jeune femme pour qui chaque mot a son sens et sa place exacte dans toute parole prononcée, dans toute parole déclamée, et singulièrement pour Fatine Moubsit, qui est une slameuse hors pair, qui a déjà eu à représenter son pays au championnat d'Afrique de slam poésie. Je suis née en février, c'était un jeudi. Je m'entendis pleurer, j'ai réalisé que j'étais en vie. Je me croyais trempée de menthe, mais là où j'ai atterri, il y avait des choses géantes, et mon corps était petit. Résiste. Les mots, elle a très vite appris à en connaître tous les ressorts. Au départ en tant que psychologue clinicienne, où l'accompagnement des patients se fait aussi par l'écriture. Aujourd'hui plus que jamais en tant que slameuse et poétesse, car les mots lui permettent d'exprimer en particulier ce qu'elle ne désire pas totalement taire. Toutes les zones d'ombre qui la traversent et qui sont finalement le propre reflet de toutes nos existences confrontées à l'âpreté du réel. Dans les trajectoires sombres, je suis restée enfuie, dans l'espoir de comprendre comment vivre, comment exister. Le mal, la douleur, la souffrance, j'ai croisé. Dans ma vie en douceur, ils se sont installés, trouvant refuge en moi. Ils n'ont plus voulu me quitter, il ne manquait plus que ça. Avoir envie de les dire, c'est dans son cas avoir aussi le désir ardent de les partager. Elle y parvient avec virtuosité dans ses recueils de poésie, mais aussi sur scène, où désormais d'autres jeunes gens au Maroc ont choisi de la suivre et de l'escorter sur ce chemin de l'excellence littéraire à l'état pur. Et Fatine Moubsit, slameuse et poétesse, est avec nous ce soir sur le plateau. Bonsoir Fatine Moubsit. Bonsoir. Vous êtes à la tête de l'association Slam Maroc et organisatrice du championnat du Maroc de slam poésie. Pour quelle finalité avez-vous lancé cet événement qui en est déjà à sa 4e édition ? Tout à fait. Alors, la 4e édition du championnat, qui s'inscrit dans le cadre du Festival Déclame à présent, donc, a été conçue pour la promotion du slam poésie au Maroc, qui est un terrain d'expression par excellence, et aussi pour favoriser l'émergence et les talents artistiques des jeunes marocains, et surtout pour la représentation du Maroc à l'échelle internationale, du moment que, comme chaque édition, le champion du Maroc de slam poésie, il représente son pays fièrement à la Coupe d'Afrique de slam poésie, mais également à la Coupe du monde de slam poésie. Et certaines personnes pensent écrire de la poésie alors qu'elles slament. Quelle est selon vous la différence entre le slam et la poésie? Alors je dirais qu'il y a une fine passerelle entre le slam et la poésie, du fait déjà que le slam est une forme de poésie urbaine et populaire, moins élitiste et plus libérée. Et il s'inscrit aussi dans le cadre, on peut l'inscrire dans le cadre des arts décalés, du fait des qui se décalent des exigences, donc de la poésie classique par exemple. Bien que le slam lui-même, en effet, il a certaines règles de compétition, c'est-à-dire un texte qui ne dépasse pas 3 minutes, a cappella, un texte original du poète, sans scénographie, sans décor, et avec un membre du jury donc, qui note le texte qu'il a le plus claqué durant ces cérémonies de compétition.
Et on le voit, vous êtes passionné et engagé. Comment est-ce que cette expression orale s'est-elle invitée dans votre vie ? Alors, au départ et au commencement était l'écriture, donc, qui se poursuit parce que dans tout processus, en fait, même dans le slam, il y a l'écriture qui procède avant de passer à la déclamation. Depuis mon jeune âge, donc, j'écrivais et il me plaisait aussi de déclamer tout naturellement mes textes. Mais je ne me rendais pas compte forcément en fait, de ce qu'était ce que je faisais. Ce n'est qu'après, vers les années, je pense, 2013, que j'ai découvert enfin le slam. C'est là où j'ai pu nommer à peu près un petit peu ce que je faisais. Et j'ai eu une pratique à peu près éclairée de ce qu'était le slam. Ensuite, j'ai eu l'occasion de participer au championnat du Maroc de slam poésie que j'ai remporté le premier prix en 2018. Et depuis, il y a un chemin qui a été frayé vers les festivals, vers le travail avec la Coupe d'Afrique de slam poésie en tant qu'organisatrice, donc ambassadrice de la Coupe d'Afrique de slam poésie au Maroc et très récemment membre du comité d'organisation de la Coupe du monde de slam poésie. Vous êtes psychologue, clinicienne de formation. Peut-on dire que cela vous a aidé à mieux comprendre vos émotions, à les verbaliser et à les traduire en slam ? Alors, avant de répondre, j'aimerais préciser surtout que dans le processus d'écriture, alors il y a le processus d'introspection qui s'invite à table. Donc, et dans tout processus d'introspection, donc ça permet de mettre en mots les mots avec O-T. S en les mots, plutôt avec O, A, U, X en mots OTS. Ce que ma pratique de psychologue clinicienne m'a apporté, c'est surtout cette flexibilité, cet accueil, cette bienveillance envers tous mes états d'âme et aussi cette finesse de laisser en moi coexister, que ce soit des états de colère, que ce soit des états d'excitation, de stress, de joie, et de les permettre donc de venir au monde autrement à travers l'écrit, à travers le slam. Et les vivre et les laisser vivre aussi avec les autres. Et donc, justement, comment est-ce que la mécanique d'écriture se déclenche-t-elle en vous ? Est-ce que vous choisissez un thème en particulier, en premier ? Ou bien est-ce que vous vous laissez plutôt guider par vos états d'âme ? Alors, je me laisse plutôt guider par mes états d'âme et c'est avec un texte que je vais répondre. Ça rime dans mon cœur quand ça serre dans mon corps. Je prête quelques mots à ma plume pour faire sortir ce qui me casse à coups forts. Je ne sais jamais ce qui va sortir quand je me mets à écrire, je ne sais jamais ce qui va émerger de quelques mots qui cherchent difficilement à se dire. Quand le réel demeure inaccessible, la métaphore imaginairement symbolise. Quand en nous des choses se bousculent, des vers nous réaniment, nous humanisent, nous déshumanisent. J'écris, je crie et par moments je laisse faire mes douleurs. Elles s'y connaissent d'ailleurs mieux que moi et je ne souhaite surtout pas les faire taire. J'écris, je crie sans thématique particulière, tout ce qui me rend la vie amère. Des goûts ainsi m'inspirent, je respire, non du vital mais du mortifère. De quoi écrire quelques bouts de mots en quelques vers, de quoi être chaque jour ce que l'on n'a jamais été hier. Merci Fatine. Et vous animez des ateliers de slam et de poésie en France dans des EHPAD et des structures hospitalières. Le slam, peut-on dire qu'il aide des patients à penser leur plaie psychologique ? Alors, je ne pourrais pas répondre en affirmation, mais je dirais que c'est surtout le retour des personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner, donc qui me laissent aujourd'hui penser qu'hypothétiquement, le slam pourrait avoir un certain réconfort et apporter un effet cathartique, mais inscrit dans un cadre thérapeutique, donc en plusieurs temps, comme ce qui est proposé, comme ce que je propose dans mes interventions, plusieurs temps, un temps de rencontre, un temps de l'écriture, mais un temps de déclamation et un va-et-vient entre ces temps qui laissent une atmosphère et une ambiance cathartique donc s'instaurer et c'est toujours le mot au patient, à la personne accompagnée et jamais nous qui affirmons que ça, effectivement, ça apaise des plaies. Voilà. Fatine Moubset, slameuse et poétesse, je vous remercie d'avoir été l'invitée de l'Escale culturelle. Merci à vous, merci. Mettant le cap à présent sur Essaouira, la cité des vents respire la musique classique. Le célèbre festival Printemps musical des Alizés a fait son comeback hier au cœur de l'espace socio-culturel d'Arsouiri. Un retour en grande pompe pour célébrer les répertoires musicaux classiques métissés. Jusqu'au 21 de ce mois, les mélomanes pourront savourer des sons et des chants d'ici et d'ailleurs. Un hymne au partage et à la diversité. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Mouqimbillah. Au son de pièces de musique classique française et d'autres de l'Europe de l'Est, la violoniste Déborah Nemtanou et le pianiste Romain Descharmes
ont transporté les férus de musique de chambre et de l'art lyrique d'un registre artistique à l'autre. Dès les premières notes, cette interprétation raffinée d'une sélection choisie d'œuvres classiques séduit l'assistance, capturant ainsi toute la sensibilité transmise avec brio par les musiciens. Ce sont des compositions pour violon et piano qui dialoguent entre eux et qui ont des relais, un échange. Et c'est du répertoire qu'on a choisi parce qu'il y a de la musique française. On a joué une sonate de Debussy, sonate de Franck, et aussi du répertoire hongrois de l'Est, parce que je suis d'origine roumaine. Une rhapsodie de Bartok et les danses roumaines de Bartok. Et là, l'acoustique, le piano, le public étaient super ce soir. Vraiment, on a adoré ce concert ici. C'est un répertoire qu'on joue depuis souvent, ensemble, et on se connaît bien, et on a vraiment l'habitude de vraiment faire de la musique ensemble, et c'est ce qui nous passionne en fait, et là, dans un cadre pareil, c'est absolument fabuleux. Après un arrêt dû à la pandémie du Covid-19, le Printemps musical des Alizés revient pour une édition spéciale de célébration de ses 20 ans d'existence. Cette année, le festival a invité les artistes ayant marqué les éditions précédentes. 14 concerts gratuits et accessibles à tous sont prévus, avec une programmation adaptée tant aux néophytes qu'aux habitués du festival. Et je suis moi très, à la fois très fier et très ému que notre pays continue à envoyer au reste du monde cet enracinement dans la diversité, cet enracinement dans l'amour de tous les talents et de toutes les musiques, et cet enracinement dans qui fait notre bonheur et notre confiance à tous. Riche de belles promesses, cette 20e édition retrace deux décennies du festival dans la plus pure tradition souiri. Cet événement unique qui incarne la singularité et la modernité de la cité des Alizés est aussi un vecteur de ses valeurs de paix, de tolérance et de diversité. La scène cinématographique égyptienne endeuillée, l'artiste Salah Saadani s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Le défunt frère cadet de l'écrivain satirique Mahmoud Saadani s'est éloigné de la scène artistique durant les dernières années. Dans ses débuts, il a interprété des rôles au théâtre. Il a également accompagné le lancement de la télévision en Égypte et a longtemps interprété des rôles dans des séries ayant particulièrement marqué son répertoire artistique, notamment Qitar Muntasaf Layl, comprenait 32 minuits, et Azzawja Awwal Man Ya'lam, l'épouse et la première à savoir. Avant de nous quitter, cette alerte météo de fortes averses, parfois orageuses et de fortes rafales de vent avec chasse-poussière locale sont prévues demain samedi dans plusieurs provinces du Royaume. C'est ce qu'indique la météorologie nationale. De fortes averses, parfois orageuses, allant jusqu'à 40 mm, sont attendues dans les provinces de Boulmane, Fas, Sfro, Moulay Yaqoub, Girsif, Taounat El-Hajb, Ifrane, Taza, Taourirt et Meknès. De fortes rafales de vent allant jusqu'à 85 km par heure avec chasse-poussière locale balayeront demain Rachidia, Figig et les reliefs relevant de Guilmim, Tata, Sidifni et Tiznit. Dans ces conditions météorologiques, la Société nationale des autoroutes du Maroc appelle les usagers de l'axe routier Meknès Oujda et les habitants des provinces de Boulmane, Fas, Fro, Moulay Yaqoub, Girsif, Taounat, El-Hajb, Ifrane, Taza, Taourirt, Meknès et Rachidia à faire preuve de vigilance et à bien se renseigner sur les conditions de circulation avant tout déplacement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent télé-programme, Charles. Oula.